Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur l'élevage, on va faire le tour de l'élevage, voir ce qu'il y a de nouveau, ce qui va changer, et je vous expliquerai un peu les projets. Alors on commence tout de suite dans le chalet avec les cailles, absolument rien qui change à l'écaille. Maintenant la reproduction des cailles sera l'année prochaine. Donc là, aliment d'adono, patado, avec du concassé et de l'eau, c'est tout. Voilà. Là on a le vieux lapin, le mâle, il est là à l'abri. On va aller voir maintenant les autres lapins à l'extérieur. Donc voilà, alors là c'est la fauve de Bourgogne avec ses 8 petits de un peu plus de 3 semaines maintenant je pense. Il faudrait que je regarde quel âge ils ont pour les vacciner à partir de 4 semaines. Donc eux, ils ont feuilles de noisetier, feuilles de maïs, granulées. Foin. Et je les repaille régulièrement, là, ça a été fait il y a 2-3 jours. Et bon, ça pousse bien, ça pousse gentiment. On va passer là, la femelle argentée de Champagne. Elle doit faire des petits dans 5 jours, dans 6 jours. Voilà, on est le samedi, alors je vais vous le dire, le samedi 17. Et c'est pour vendredi prochain, donc dans 6 jours. Voilà. Je vous tiendrai informé si bien du résultat. Le mâle argenté et le mâle fauve de Bourgogne. Voilà. Alors là, j'ai mis le jeune mâle lapinin ici. Il y avait un clapier double, mais bon, j'ai mis une cloison. J'ai mis une cloison, comme ça il n'y en a qu'un, j'en aurai qu'un nettoyé quand j'enlèverai de là. Alors la nouveauté, la voilà. Alors un couple de béliers français, voilà. La femelle grigarenne ici, super gentil. Voilà. Alors là ils ont absolument pareil que les autres, hein. Granulés, noisetiers, feuilles de maïs, foin à volonté, et là le mâle, couleur chamois. Là c'est pareil, j'ai fait un système D avec une planche, en attendant que je retrouve à peu près le même qu'en haut. Alors voilà, bon, il est un peu moins familier que la femelle. Bon, ils sont encore jeunes. Donc pour les premières portées, je vais attendre au printemps. Alors là, ils sont en pleine croissance. Voilà. Alors, on verra ce que ça donne au printemps. Bien sûr, on va suivre ça de près. Alors, maintenant, on va voir les chapons. Alors, les chapons, ils sont ici. Il y en a 4 ici. Et il doit en avoir deux un peu plus loin. Il y en a un là sur la droite. Il y en a un qui s'est fait mal à sa patte. Je sais pas, il est où. Il marche pas beaucoup. Ah bah ça doit être lui. Donc il marche pas beaucoup. Et voilà le sixième. Alors ils sont toujours dans leur petit poulailler. Hein. Ici, le matin j'ouvre. Le soir j'y rentre. Ils ont de l'eau avec les feuilles qui tombent. Alors, et ils ont la nourriture granulé poulet et concassé comme les autres volailles. Voilà. Donc maintenant les ardennaises. Donc alors les ardennaises, elles sont ici. Il y a un coq et 6 poules. Je devais en exposer en même temps que les canards connus le 2 et 3 octobre. J'ai pas pu, la ville où je suis est
en zone vigilance grippe aviaire, donc interdiction d'exposer les animaux, les volailles. Alors, bon, j'ai pris la décision d'arrêter pour l'instant les ardennaises. Je les ai mis en vente. Je vais peut-être garder deux poules. Je vais peut-être garder deux poules sur les 6 juste pour couver. Là, j'essaierai de trouver une race mixte. Alors, mixte, c'est d'habitude c'est à deux fins, mais là ce sera à trois fins qu'on puisse exposer, manger et qui pond bien. Donc, qui fait du gros volume, qui pond correctement. Et qu'une race homologuée qu'on puisse mettre en exposition. Alors j'ai trouvé pour l'instant le cougnu du forêt. Alors je vais profiter qu'elles sont rentrées pour les fermer. Là, il est 18h30. Alors voilà. Hop. Voilà. Là, il est 18h30, donc je commence à rentrer tout le monde. Alors là, ici, on a les pondeuses. Bon, les pondeuses, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Alors, je suis un peu embêté en ce moment avec les rats. Donc, je fais des systèmes. Alors, ici, le poulailler. Je vais leur donner de la salade. Alors ils ont du blé germé, bah, ils avaient du pain mouillé, ils ont leur aliment poule pondeuse, l'abreuvoir. J'ai mis des petits grilles pour que les rats passent pas. Mais vous voyez, ils arrivent à refaire des galeries. Voilà. Donc là, alors au cours de cet hiver, je vais faire un poulailler ici dans le coin. De 2 mètres sur 2, 4 mètres carrés, en tôle avec le sol bétonné. Donc, pour éviter l'intrusion des rats aussi. Bah, pas tout en tôle, hein, il y aura une partie grillagée, mais grillage fin, pour que les rats évitent, puissent pas rentrer. Là, parce que là, bon, à travers, ils passent, ça grimpe partout. Pour les pigeons, pareil, je ferai à peu près le même pigeonnier, en fonction des besoins des pigeons. Là ici il va falloir que je nettoie, c'est assez dégueulasse. J'ai eu beaucoup de boulot en ce moment, puis le temps il est vraiment pas terrible. Et comme ça, avec une fois que les poulaillers seront faits, je démonterai celui-ci. D'ailleurs je vais en partie le démonter pour récupérer quelques demi-chevrons comme là, comme ces demi-chevrons, les tôles transparentes pour la toiture. Donc bon. C'est pas le top la tôle, mais ça évite même pour la désinfection pour les poux. Alors voilà, donc si bien je vous ferai suivre ça. Hein. Alors ici dans la serre, j'ai tout enlevé. J'ai deux coqs Pékin et une poule qui sont pas à moi. Hein. C'est pour un ami qui va venir les chercher. Ils sont là en transit, hein. J'étais les chercher pas loin de chez moi, donc il viendra très prochainement. En attendant, bah, il nettoie la serre. Hein. Et une fois qu'ils seront partis, je ferai un bon nettoyage, travailler un peu la terre pour l'hiver. Et l'année prochaine, on verra bien ce qu'on met dans cette serre. J'avais l'intention déjà de changer la bâche. Et je verrai. Là-bas, j'ai barricadé comme j'ai pu, parce qu'il reste quelques piments. Voilà. Alors je sais pas, je connais pas, je suis pas fort en coloris de volaille. Je sais pas ce que c'est. Ils sont vraiment pas sauvages. On va aller voir maintenant les canards cougnus. Alors les canards. Voilà, c'est pareil, là, je suis en train de préparer pour mettre de la mâche. Je vais faire une vidéo comment je sème de la mâche. Je continue de temps en temps pendant 5 minutes à repiquer de la mâche. Ça c'est de la mâche en alvéole qu'un collègue m'a donné. Il m'a donné deux plateaux. Là il y a que la moitié d'un.
J'ai encore celui-ci à faire. Donc, lui, il fait ça. Alors, moi, mes plateaux que j'ai semés, c'est une par-ci par-là, le bol blanc. Et lui, par contre, c'est nickel. Alors, bon, je sais qu'il regarde mes vidéos, donc je le remercie pour ça. Voilà. Alors là, c'est les œillets qu'il y avait dans la serre à côté. Ça, c'est le blé pour les poules. Alors, les poules pondeuses, ils ont du granulé pondeuse, des céréales concassées, un peu de pain mouillé, des restes de repas, et ils ont du blé germé. Regardez. Alors, ça, ça les fait bien pondre aussi, j'ai remarqué. Et là, il a été fait hier. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer une vidéo sur le semis de mâche. J'ai déjà fait l'étape désherbage, travailler la terre. J'ai remis un peu d'or brun, j'ai arrosé. Donc bon, c'est pas le but de cette vidéo, le potager. Même si on passe devant, tout se mélange. Hein. Et les poules aussi des salades. Voilà. Donc, chez les canards, j'ai pas pu exposer de canards, donc un peu dégoûté, hein. Un peu les boules. Donc bon, bah, je vais en vendre quelques-uns, parce que mine de rien, ça mange. Bon, ça nettoie le terrain, mais ça mange quand même, et j'en ai beaucoup de trop, hein. J'en garderai 6 ou 8, je sais pas encore, pour la reproduction prochaine. Alors là, c'est dans les sacs, c'est de la terre pour reboucher tous les trous de rats qu'il y a eu avec chez les poules. Et là, il y a le couple d'Araucana. Le coq, il est là. Ah, bah, il se cache là, et la poule, elle est là. Voilà. Bon. Là, j'ai fait un abri. Un abri. Bah, pour rapide, hein. Ils vont pas rester là. Là. Le fumier qui baisse bien. Voilà, puis là, on a encore un trio qui a un parquet et 3 cannes à un mâle pour la reproduction prochaine. J'ai encore regardé au moins 3 femelles. Voilà. Donc bah, c'est tout pour ce tour de l'élevage, hein, les changements, les projets de poulailler et de changement de race. Beaucoup plus pratique pour moi. Ce sera d'avoir une seule race pour 3 buts, la chair, la ponte et les expos. Voilà. Donc, mais je continuerai essayer d'exposer si je peux un jour exposer canard cou nu, voilà, parce que c'est une race que j'aime assez bien. Et le cou nu du forêt, bon, ça reste du cou nu aussi, vous allez me dire. Et cou nu blanc avec un standard bien établi. Bon, des poules et des coqs qui ont un bon poids. Et bah, la poule, elle pond assez bien, même l'hiver, surtout des gros œufs. Voilà. Donc là, on a le pain. Là, on a des pots de miel pour mettre un peu dans l'eau des pigeons. De temps en temps, une cuillère. Voilà. Donc bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera donc une vidéo sur le semis de mâche. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.